Aujourd'hui, 2 mai, la Sainte Église célèbre Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie, docteur de l'Église. Saint Athanase naquit à Alexandrie, métropole d'Égypte. Sa première éducation fut excellente. Il ne quitta le foyer paternel que pour être élevé, nouveau Samuel, dans le temple du Seigneur, par l'évêque d'Alexandrie. Athanase était simple diacre quand son évêque le mena au concile de Nicée, dont il fut à la fois la force et la lumière. 5 mois après, le patriarche d'Alexandrie mourut, et Athanase, malgré sa fuite, se fit obligé d'accepter le lourd fardeau de ce grand siège. Dès lors, ce fut une guerre acharnée contre lui. Les accusations succèdent aux accusations, les perfidies aux perfidies. Athanase, inébranlable, invincible dans la défense de la foi, fait à lui seul trembler tous ses ennemis. La malice des hérétiques ne servit qu'à faire ressortir l'énergie de cette volonté de fer, la sainteté de ce grand cœur, les ressources de cet esprit fécond, la splendeur de ce fier génie. Exilé par l'empereur Constantin, il lui fit cette réponse. « Puisque vous cédez à mes calomniateurs, le Seigneur jugera entre vous et moi. » Avant de mourir, Constantin le rappela et Athanase fut reçu en triomphe dans sa ville épiscopale. Le vaillant champion de la foi eut à subir bientôt un nouvel exil et 2 conciles ariens ne craignirent pas de pousser la mauvaise foi et l'audace jusqu'à le déposer de son siège. Toujours persécuté et toujours vainqueur, voilà la vie d'Athanase. Il vit périr l'infâme Arius d'une mort honteuse et effrayante et tous ses ennemis disparaître les uns après les autres. Jamais les adversaires de ce grand homme ne purent le mettre en défaut. Il déjoua toutes leurs ruses avec une admirable pénétration d'esprit. Et voici quelques traits de cet esprit. En plein concile, on le fit accuser d'infamie par une courtisane, mais il trouve le moyen de montrer que cette femme ne le connaissait même pas de vue, puisqu'elle prit un de ses prêtres pour lui. Au même concile, on l'accusa d'avoir mis à mort un évêque nommé Arsène et coupé sa main droite. Comme preuve, on montrait la main desséchée de la victime, mais voici qu'à l'appel d'Athanase, Arsène paraît vivant et montre ses 2 mains. Une autre fois, Athanase, poursuivi, s'enfuit sur un bateau, puis bientôt il rebrousse chemin, croise ses ennemis qui lui demandent s'il a vu passer l'évêque d'Alexandrie. « Poursuivez, leur dit-il, il n'est pas très éloigné d'ici. » Ses dernières années furent les seules paisibles de sa vie. Enfin, après avoir gouverné pendant 46 ans l'église d'Alexandrie, après avoir soutenu tant de combats, il alla recevoir au ciel la récompense de ceux qui souffre persécution pour la justice. Saint Athanase, priez pour nous.